Nous sommes vendredi et il est déjà 21h, l'heure à laquelle on se retrouve, vous et nous, pour le partage de connaissances spirituelles et ésotériques, l'heure à laquelle nous ouvrons sur Gulf TV Africa les portes du mystère, révélé avec nos invités ce qui est obscur, caché, inconnu, inaccessible à la connaissance humaine. Ce soir, le thème que nous abordons s'intitule « L'origine et l'adoration du peuple noir par rapport à l'adoration de Dieu ». Une émission qui nous rappellera l'histoire du peuple africain, du peuple noir et son rapport avec Dieu. Pourquoi nos aïeux faisaient des autels de sable pour y faire des sacrifices et des rituels à l'endroit de Dieu, puisque c'est ce qui se dit jusqu'aujourd'hui. Est-ce vrai? D'où est partie cette pratique et où en est-on aujourd'hui? Beaucoup de préoccupations qui vont vous élucider au cours de cette émission. Vous apprendrez beaucoup de choses qui vous sont jusque-là cachés. Notre invité pour discuter donc de cette thématique, c'est le prophète Justin Olanian. Il est pasteur de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Prophète Justin Olanian, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi. Alors, nous allons très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Prophète, dites-nous, quand on parle de Dieu, c'est qui? C'est un esprit? C'est quoi en réalité? Merci, monsieur le journaliste. Comme nous sommes sur un plateau de vérité, je crois que le monde entier, par cette émission, comprendra aujourd'hui qui véritablement est appelé Dieu. Bien, quand on parle de Dieu, on parle de cet être invisible, dans un premier temps, qui a créé toutes choses. Cet être qui était dans l'invisible et qui, après avoir prononcé une parole, la mène à l'accomplissement dans le physique. Qu'il vous souvienne que dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1er, la parole nous dit clairement que au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est venue. Le second jour, Dieu a demandé que les cieux paraissent, et les cieux sont venus également. Le troisième jour, il a demandé à ce que la terre vienne, et également la terre a été réalisée. Donc nous sommes partis du spirituel, et ce Dieu que personne ne voit à l'œil nu, quand il prononce une parole, ça vient toujours à l'accomplissement dans le physique. Et c'est comme ça depuis le premier jour jusqu'au sixième jour, où il a créé l'homme mieux à son image et à sa ressemblance. Donc quand on va parler de Dieu aujourd'hui, nous sommes en mesure, bien nous devons déjà commencer par nous poser la question de savoir pourquoi cet être invisible, à chaque fois quand il parle de quelque chose, à chaque fois quand il prononce quelque chose, pourquoi la parole ne se réalise pas dans l'invisible et est concrétisée dans le physique. Alors, si nous partons de là, nous allons facilement comprendre que celui dont on parle, qu'il est invisible, à un moment donné, va se donner aussi un aspect visible. Donc, lui-même nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Le commencement, c'était cet esprit qui parle et qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais la fin de la création, nous avons constaté que c'est l'homme debout. Il dit qu'il a fait des cieux son trône et la terre est son marche-pied. Mais jamais on a vu un esprit marcher physiquement comme ça sur la terre.
c'est l'homme qui marche sur la terre. Justement. Il va plus loin. Il dit que c'est lui qui ne somnole ni ne dort. Mais quand on vient au sixième jour, il a laissé apparaître l'homme. Le lendemain, qui est le septième jour, le jour de sabbat, bien sûr, il a dit qu'il s'est donné de repos. Alors que c'est lui-même qui a dit tout à l'heure qu'il est l'esprit invisible qui ne somnole ni ne dort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va parler de Dieu, on ne peut jamais rester sans parler de l'homme. Dieu, il est l'être suprême qu'on ne voit pas avec l'œil nu, mais qui, dans le processus, s'est donné encore la chair humaine pour devenir homme. Ne serait-ce que pour venir contrôler tout ce qu'il avait créé au moment où il était dans l'invisible. Parce que l'homme, lui-même l'a dit, a été créé à son image et à sa ressemblance. Comment un esprit qu'on ne voit pas se donne une image, se donne une image du moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va parler de Dieu, on ne peut jamais oublier l'homme. Quand on voit l'homme debout, c'est lui qui est l'oméga du Dieu Alpha. Parce que Dieu lui-même dit qu'il est Alpha et l'oméga. Donc Dieu aujourd'hui, c'est cet esprit qu'on ne voit pas avec l'œil nu, mais qui s'est donné la chair humaine pour venir encore contrôler tout ce qu'il avait créé au moment où il était à l'état invisible. Donc, entre lui, Dieu Alpha, et Dieu Oméga, qui est l'être humain, il y a une relation de soumission et de bénédiction. Le Dieu Oméga, qui est l'homme debout, lui, il se soumet, il donne adoration au Dieu Alpha, qui, lui, à son tour, bénit totalement le Dieu Oméga. C'est pourquoi, après avoir créé l'homme, il lui a montré rapidement ce qu'il va manger, les herbes portant de la semence, que l'homme lui-même n'a jamais été associé pour faire quoi que ce soit comme agriculture. Donc, quand on va parler de Dieu aujourd'hui, nous devons partir de là. Parce que souvent, ce qui se passe, l'homme a tendance à voir Dieu très loin de lui. Dieu n'est pas... Dieu n'existe pas sans l'homme lui-même. Et l'homme aussi ne peut pas exister sans Dieu lui-même. Donc quand on parle de Dieu aujourd'hui, on parle de l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Et on parle encore de l'homme en qui cet esprit réside pour venir encore contrôler tout ce qui est sur la terre. Prophète, on va nuancer quelque chose. Vous dites tout à l'heure que Dieu lui-même s'est transformé à un moment donné en être humain. Il a pris le corps physique de l'être humain. D'accord, pour venir contrôler ce qu'il avait tout ce qu'il a créé, oui. Créé quand il était à l'étape invisible. Alors qu'il y a une parole, d'accord, biblique qui dit, un passage qui dit, je vous ai créé à mon image. Et c'est Dieu qui parle. C'est lui qui parle. Je vous ai créé à mon image. Ça voudra dire qu'il était lui-même un être humain avant de créer l'être humain. Oui, et quand il dit... j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Cela ne veut pas dire que Dieu avait de la chair physique au moment où il parlait. Dieu était l'esprit. L'homme à l'image de Dieu veut dire en l'homme, c'est-à-dire en la chair de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Donc, quand il disait j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, mieux. C'est de l'esprit qu'il parle. C'est de l'esprit qu'il parle. Ça veut dire que l'esprit de Dieu qu'on ne voit pas avec l'œil nu s'est incarné, c'est-à-dire s'est donné encore la chair humaine, il a créé l'homme et il a habité en l'homme. C'est ce qu'il voudra dire. Ça veut dire que l'homme debout ne peut pas vivre sans Dieu même. Parce que l'homme sans l'esprit de Dieu n'existe pas, il n'est pas un homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit laissé à lui-même ou bien pour qu'il soit vide sans l'esprit de Dieu, non. Parce que la seule créature en laquelle Dieu a mis son esprit, c'est la créature homme. Dieu n'a pas mis son esprit dans les autres créatures. Ce que les autres créatures ont en commun avec l'homme, c'est le souffle de vie. Les animaux aussi respirent l'air, comme les hommes aussi respirent l'air, les arbres aussi respirent l'air, les poissons aussi respirent l'air. Mais de façon spéciale, ce que Dieu a mis en l'homme et qui est totalement différent, que Dieu n'a jamais
que l'Esprit de Dieu n'a jamais accordé aux autres créatures, c'est son Esprit lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Romains 8, à partir du verset 16, la parole dit « Son Esprit témoignera à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. » Donc quand Dieu disait « J'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance », il est en train de dire simplement que en l'homme, en cette chair qui est différente de la chair des animaux, en lui, j'ai déposé mon esprit. Alors, prophète Justin Olalia, dites-nous, qui est alors Jésus? Puisque vous venez de parler de Dieu, qui est alors Jésus? Parce que d'aucuns estiment, il y a des fidèles d'une certaine religion, on ne va pas appeler le nom ici, mais qui estiment qu'on ne peut pas appeler Jésus-Christ comme Dieu. Et donc, on ne peut pas prier Jésus-Christ. Alors, je m'en vais vous demander, la question que je m'en vais vous faire, c'est qui est Jésus? Est-ce que c'est le Fils de Dieu, comme lui-même l'a dit, et comme on le lit souvent dans la Sainte Bible? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ceux qui ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu ont aussi raison, parce que la révélation n'a pas été donnée à tout le monde. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, même dans le livre de Jean, de 1 Jean 5. À partir du verset 1er, la parole dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. » Mais souvent, on dit Jésus-Christ. Le nom, là, je vais le détailler aujourd'hui à ceux qui nous suivent. Quand on dit Jésus-Christ, Jésus, c'est l'homme dans la chair que nous voyons, qui côtoie avec nous, qui mange avec nous, qui boit avec nous, qui peut chier, qui peut faire tout ce que l'homme fait avec les humains. C'est ça Jésus. Quand on dit Christ, le niveau christique appelle au divin, appelle au niveau Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire que celui que vous voyez là, qui est comme vous, qui a la chair humaine comme vous, qui mange avec vous, qui boit avec vous, qui s'amuse avec vous, il est Dieu. C'est pourquoi quand il a posé la question à ses apôtres, à son sujet, il leur a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre seulement qui a répondu en disant quoi? Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre a vu quoi sur Jésus? Il a vu la dimension Dieu. Il n'a pas vu la dimension, c'est-à-dire il a dépassé la dimension de Jésus même, c'est-à-dire qu'il y a la chair, physique. La dimension physique, et il est allé dans la dimension spirituelle pour voir Dieu en lui. Il dit « Tu es le Christ ». Parce que « Tu es le Christ » veut dire « Tu es Dieu, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus répliqua en disant « Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est pourquoi je te donne les clés du royaume ». C'est-à-dire, il lui a remis les 12 clés, les clés du royaume. Ce que tu fermes sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert dans les cieux. Autrement dit, il lui a donné le plein pouvoir sans lequel personne ne peut ressembler à Dieu. C'est pourquoi, au moment où Dieu avait créé l'homme, au départ, il lui a dit « Je te donne le pouvoir de dominer sur les poissons, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur tout ce qui se meuf sur la terre. » Donc, celui qui ne connaît pas, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'image de Dieu, sans le pouvoir de Dieu, vous ne pouvez jamais le ressembler. Donc, lorsque Pierre a lu cette dimension christique sur Jésus, rapidement, Jésus lui a donné le pouvoir. Et mieux, quand Jésus voulait partir, il a remis le bâton à qui? À Pierre. Et il lui a dit, paie mes brebis. Donc, là où Pierre allait dans le temps, c'est trop fort. Celui-là qui est devant nous, qui mange avec nous, il est encore Dieu. Donc quand on dit aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce que ceux-là qui le disent, la révélation n'aurait pas été donnée. Si même ceux-là se connaissaient, qu'ils étaient au moment, qu'est-ce que l'homme représente véritablement pour Dieu? Ça, on doit partir d'abord de là. Parce que quand Jésus était apparu, et comment il est venu? L'ange est allé voir Marie et lui a dit, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, viendra sur toi. C'est pourquoi, je le dis en passage, Marie n'a jamais été la mère de Dieu, mais Marie a été la mère de la chair, la mère de Jésus, et non du Christ. Marie n'a pas été la mère du Christ. Donc, c'est le Christ qui est venu sur Marie, qui est l'Esprit, qui est venu sur Marie, et qui a emprunté la chair de péché à Marie, ne serait-ce que plus tard détruire le péché dans cette chair-là. C'est pourquoi
on a dit à Joseph, l'enfant qui naîtra, vous allez lui donner le nom Jésus et non Jésus-Christ. C'est ça ce qui leur a été recommandé. Donc Marie est la mère de Jésus et non la mère de Jésus-Christ. Quand on dit Christ, on parle de Dieu lui-même. On parle de cet homme qui est venu, en qui réside l'Esprit de Dieu et qui est Dieu lui-même. Alors, prophète Olanian, nous allons évoluer un peu plus dans le débat. Et donc, c'est clair que Jésus est également Dieu. Mais le sujet qui fait objet de discussion au sein de la population, c'est de savoir, puisque Jésus-Christ, Dieu s'est transformé en Jésus-Christ, d'accord, et qui a existé parmi les humains, a vécu sur la terre parmi les humains, d'aucuns, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont estimé qu'on ne peut pas l'appeler Dieu. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais Jésus-Christ, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est Marie qui l'a mise au monde, le corps physique, d'accord. Mais quelle est son origine? Parce que ça fait objet de polémiques, vous le savez certainement, puisque vous êtes un homme de Dieu. D'aucuns estiment que Jésus est européen, il est blanc, il est africain, et donc le sujet porte souvent à polémique. Que peut-on comprendre concrètement? Avant d'aborder même le sujet que vous venez d'évoquer, permettez-moi de dire à tous ceux qui nous suivent que Jésus est reparti comment? Il n'est pas reparti en tant qu'esprit. Il est reparti en tant que corps. Mais il est venu comment? C'est dans un premier temps, c'est l'esprit qui est venu sur Marie. Lorsque Jésus est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il a porté un autre corps appelé corps incorruptible parce qu'il ne s'est plus revêtu du même corps avec lequel il a été enterré. C'est pourquoi on n'a plus vu le corps dans la tombe. Oui, on n'a plus vu le corps. Il a détruit le péché dans le corps. On n'a plus vu le corps. Mais ce n'est plus le même corps dans lequel il a été enterré. D'accord. Mieux, avant qu'il ne meure même, il a retiré son esprit de ce corps-là. Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Ça veut dire que l'esprit ne meurt jamais. D'accord. C'est le corps-là qu'il a détruit et c'est le corps qu'on a déposé dans la tombe. À la résurrection, il a pris un autre corps. C'est pourquoi ses apôtres ne l'ont plus reconnu physiquement et correctement. C'est par ses faits et gestes que ses apôtres arrivent désormais à le reconnaître. Et mieux, il est reparti en tant qu'être humain pour aller s'asseoir à côté de Dieu, le Père. Donc ça veut dire que si l'homme n'était pas Dieu, ça veut dire que Jésus ne peut plus repartir avec le corps. Il doit repartir encore dans le ciel avec l'esprit. C'est-à-dire qu'il doit repartir en tant qu'esprit. Donc ça, là, c'est un passage. D'accord. Maintenant, la question demande à savoir... Quelle est l'origine de Jésus-Christ? Ceux qui disent que Jésus-Christ est blanc, c'est une erreur grave. Totalement grave, parce que lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, c'est extrêmement dangereux pour vous de l'affirmer gratuitement comme ça. Jésus, d'ailleurs même quand nous prenons le peuple de Dieu... Vous êtes contre ça? Mais absolument, je suis contre. Jésus n'est jamais un blanc, Jésus est noir. Et je suis là pour le démontrer. Le peuple que Dieu s'est donné, d'ailleurs même quand nous partons de la science nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela voudra dire que les premiers hommes qui ont pu parler avec Dieu, qui ont pu échanger avec Dieu, c'est le peuple noir. Parce que l'Africain est noir, nous sommes d'accord. Bon, si les premiers êtres humains qui ont parlé avec Dieu étaient des noirs, si nous partons de la science, ça veut dire que le noir a la connaissance de Dieu plus que le blanc. Le noir doit connaître Dieu plus que le blanc, parce que la peau blanche est venue par la suite. Le peuple que Dieu s'est donné, le peuple de Dieu que Dieu lui-même s'est donné, le peuple d'Israël, c'est le peuple noir, ce n'est pas les blancs. Parce que pour connaître un peuple, il faut d'abord même partir de ses pratiques. J'ai dit tout à l'heure que le peuple de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé son peuple et l'a demandé à l'adorer. Si nous partons de là, nous allons voir comment le peuple d'Israël arrivait à adorer Dieu dans le temps. Nous prenons Jésus lui-même, parce qu'il est désormais référence aujourd'hui. Au moment où Jésus était né, on l'a dédicacé dans le temple, le huitième jour, parce que la loi de Moïse
a dit que un bébé qui naît au milieu du peuple de Dieu, les premiers-nés qui seront des garçons, que ces premiers-nés doivent être dédicacés le huitième jour. Et mieux, le jour de la dédicace, ils seront circoncis. Alors, prophète, quand on parle de dédicace, pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas forcément ce que veut dire dédicace, c'est quoi? La dédicace, c'est la présentation de l'enfant, du nouveau-né, à Dieu, dans le temple. Et quand nous venons dans nos pratiques endogènes, nous constatons que nos parents le font. La dédicace, c'est-à-dire la sortie d'enfant. Et au moment où on voulait dédicacer Jésus, la loi demandait quoi? Quand tu as des tourterelles et des pigeons. Donc le jour où on avait circoncis Jésus, selon la loi mosaïque, il y a des tourterelles qui ont été tuées, il y a des pigeons qui ont été tués. Parce que c'est après Jésus que la grâce est venue, après Jésus, c'est après son sacrifice que la grâce est venue. Donc au moment où Jésus même a été dédicacé dans le temple, il y a ce rituel qui a été observé. Jamais on n'a vu un blanc qui a fait dédicace de son enfant. Je voulais parler de la cérémonie de sortie d'enfant. Oui, cérémonie de sortie d'enfant, là. C'est Dieu lui-même qui l'a initié. Et ça se faisait dans le temple de Dieu, au temps de la loi. C'est Dieu lui-même qui a initié ça. Et nous constatons, entre le blanc et le noir, qui a cette pratique-là aujourd'hui sur la terre, si Jésus n'était pas venu pour réformer l'ancienne forme d'adoration qui était sur la terre, c'est-à-dire qui constituait à immoler des moutons, à immoler des oiseaux à Dieu, si Dieu était toujours dans cette forme d'adoration, mais entre le noir et le blanc, qui aujourd'hui sur la terre maîtrise encore cette pratique? C'est le noir qui a encore cette pratique. Et c'est ce que nos parents font jusqu'à là où nous sommes. Donc, nous partons de Jésus toujours et nous avons constaté que lui-même a été présenté dans le temple sous ce rituel. Et quand nous descendons un peu, nous constatons qu'avec Moïse, dès le départ, Dieu lui-même lui a dit comment il doit le représenter, lui, Dieu. Quand vous lisez le livre de Exode 20, à partir du verset 22 à 24, Dieu a demandé à Moïse de lui élever un autel de terre sur lequel Moïse va offrir des sacrifices d'action de grâce. Ces sacrifices, tout ce que Moïse va offrir à Dieu, ce serait sur cet autel de terre. Moïse va élever un autel de terre à Dieu sur lequel il va faire ses sacrifices. Et Dieu lui-même a dit, lorsque je me rappellerai de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Sur cet autel-là. Alors, élévation des autels de terre sur lesquels on va offrir des sacrifices, c'est dans la pratique de qui? Des blancs ou bien des noirs? Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Et c'est ce qui se faisait jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en son temps, lors de sa dédicace, les tourterelles et des pigeons ont été sacrifiés. Pour faire des sacrifices d'oiseaux, ce n'est pas porter le couteau dans la gorge des oiseaux. On doit... Il y a une manière. C'est-à-dire la manière dont les vaudous de chez nous aujourd'hui arrivent à sacrifier les oiseaux sur leur vaudou là. C'est de cette manière. C'est-à-dire on doit déchirer l'oiseau par le bec. On doit le déchirer comme ça par le bec. Et c'est ce que Dieu lui m'a demandé dans le livre de Lévitique 1er à partir de verset 14. Prophète, attendez. Il y a une nuance qu'il faudra faire. Quand vous parlez de l'autel de sable, oui, que Dieu a recommandé, d'accord, à son peuple de faire. Vous voulez faire... vous voulez parler de ce que nous voyons chez nous, en Afrique, précisément au Bénin, où on voit de fétiches qui sont faites à base de... Bien sûr, c'est ce que Dieu avait recommandé dans le temps à son peuple de faire. C'est pourquoi je dis, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le culte endogène n'émane pas de nos parents. C'est Dieu lui-même qui leur a révélé ça. C'est Dieu lui-même qui a révélé cette pratique, cette première forme d'adoration à son peuple. Il a bien dit, et j'ai bien dit, donné le verset, Exode 20, verset 22 à 24. Il a demandé à Moïse de lui élever un autel de terre sur lequel il va offrir des sacrifices d'action de grâce et de brebis tout. Donc, c'était Dieu lui-même qui avait recommandé ça. Ce que Dieu avait refusé à Moïse, il lui a dit,
tu ne vas jamais, et tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur diras, vous n'allez jamais m'associer des dieux d'or et d'argent. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, le peuple d'Israël, à qui Dieu a révélé cette pratique, cette première pratique d'adoration, il ne doit jamais, dans le même temps, assembler des métaux sur lesquels il va encore faire le même sacrifice. Dieu a dit ça là, non. Dans le livre de Deutéronome 4, à partir du verset 15, il a encore dit à ce même peuple, vous n'allez pas prendre des animaux qui rampent sur leur ventre, le serpent par exemple, et le prendre à ma place comme étant votre Dieu. Donc, ce que Dieu avait refusé à nos parents, c'est ça que les parents ont fait. C'est pourquoi il a été question désormais de la venue de Jésus-Christ pour réformer cette première forme d'adoration au temps de la loi. Sinon, c'est à nos parents, que Dieu a révélé, c'est-à-dire comment l'adorer. Ce sont nos parents qui ont connu Dieu dès le départ. Maintenant, ce que les parents ont fait et qui a énervé Dieu, pour que Jésus vienne, c'est pour que ce qu'ils ont ajouté à Dieu, le fait d'assembler les métaux sur lesquels on va faire les mêmes sacrifices pour les appeler aussi Dieu, le fait de prendre le serpent pour l'appeler aussi Dieu, c'est ça qui a énervé Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour désormais annuler ce que lui-même avait fait, pour que l'adoration passe désormais par Jésus-Christ. Sinon, en réalité, la parole dit, il est allé chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'est qui? Les siens, c'est ceux qui ont la connaissance de la parole. Parce que Dieu est la parole. Il a créé tout par la parole. On dit que la parole qui s'est faite chair est allée chez les siens, est allée là où l'ancienne forme d'adoration existait. Et qui doit connaître désormais de réforme pour que désormais l'adoration passe par Jésus-Christ. Donc, il est allé vers le peuple noir. Le peuple qui avait déjà connaissance de cette première pratique qui consistait à immoler des animaux sur les morts de terre, ne serait-ce que pour invoquer Dieu. Il est allé là et on dit, les siens ne l'ont pas reçu. Ça veut dire que c'est les noirs qui l'ont rejeté. Prophète, merci. Vous dites clairement aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que cette forme, cette manière donc d'adorer Dieu, de nos parents, de nos aïeux, que c'est une forme recommandée par Dieu même. Par Dieu lui-même. Les fétiches que nous voyons. Nos parents n'ont rien inventé. Qui sont faits à base de terre. Nos parents n'ont rien inventé. C'est Dieu lui-même qui a dit. La Bible l'a bien martelé. Nos parents n'ont rien. Dites-moi quelque chose que nos parents ont inventé. Parce que souvent, quand on dit que c'est la chose de nos parents, je ne vois pas ce que nos parents ont inventé. Bon, la manière de sacrifier les oiseaux sur les autels-là, ça a été recommandé dans la Bible. J'ai dit bien Lévitique 1, à partir du verset 14. Et tout ça se trouve dans la Bible. Bien dans la Bible. Est-ce que c'est les parents qui ont inventé cette forme de tuer les oiseaux? C'est-à-dire, quand vous voulez tuer un poulet à Dieu, il dit, vous n'allez pas l'égorger avec de couteaux, mais vous allez le déchirer par le bec. Et c'est ce que nos parents ont compris. Même pour partager même la viande du poulet là, en sacrifice pour Dieu, on ne doit pas partager n'importe comment. La façon d'enlever les différentes parties du poulet, là, tout est dans le livre de Lévitique 1. Et c'est Dieu qui l'a recommandé. Il a dit, vous devez d'abord enlever les ailes à partir du corps, c'est-à-dire du poulet, avant de le couper par le bras. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Vous allez encore enlever... C'est-à-dire les petits sabots qui a sur ses ongles avant de me les partager encore en rituel. Donc, c'est Dieu lui-même qui a initié ces choses point par point au noir. Alors, si c'est Dieu lui-même qui a recommandé, pourquoi aujourd'hui, vous diabolisez, en tout cas la plupart des pasteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens diabolisent cette pratique-là? Merci pour la question. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas créateur de quelque chose, lorsque vous n'êtes pas créateur de quelque chose, absolument vous devez à chaque fois faire référence à celui qui vous envoie en mission. J'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui a initié ça. Lorsque c'est lui le créateur et que lui-même revient encore en chair et vous dit sortez d'en de ça, moi je ne sais pas pourquoi le noir ne va pas accepter Jésus-Christ. C'est lui qui a initié. Est-ce que cette pratique a été connue du noir sans Dieu? Non, c'est Dieu qui l'a fait savoir ça. Alors, ça veut dire que le créateur de ce principe, c'est-à-dire le créateur de ce principe, celui qui vous a amené à observer cette forme d'adoration, est revenu vers vous et vous a dit, vous devez sortir. C'est pourquoi Jésus, en ce temps, il est entré dans le temple.
Et il a fait le fouet avec des cordes et il a renversé tout ce qui se trouvait dans le temple. Il dit désormais, cette maison ne sera plus observée de cette manière. Cette maison ne va plus connaître de sacrifice, mais désormais tout doit passer par moi. Et Jésus doit être normalement le dernier sacrifice. Normalement, celui qui doit accepter Jésus, c'est celui qui avait connu Dieu dans sa première forme d'adoration qui se traduit par l'élévation de terre sur lesquelles on va offrir des sacrifices. Normalement, celui qui connaît déjà ça, lui, obligatoirement, doit accepter Jésus. C'est pourquoi celui qui ne va... C'est-à-dire, normalement, c'est le noir qui doit accepter Jésus. Mais les blancs, aujourd'hui, ont profité de notre ignorance. Parce que... À quel moment Dieu, qui lui-même, d'abord, d'accord, au prime abord, a recommandé cette pratique, d'accord, de terre battue pour lui faire des sacrifices là-dessus, est venu donc décommander encore la même pratique? C'est à partir de Jésus. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de... Posez-vous la question. Pourquoi, avant Jésus, la colonisation n'est pas venue en Afrique? La colonisation n'est pas venue en Afrique avant Jésus. Avant Jésus, au moment où Dieu avait permis la première forme d'adoration, le noir était en paix. Le noir était toujours dans cette forme d'adoration. Le noir arrivait toujours à sacrifier des moutons, des bœufs, ainsi de suite, sur cet autel-là, pour Dieu. Et Dieu acceptait. La colonisation est venue quand? C'est après Jésus. Pourquoi? Lorsque Jésus est venu, c'est les siens, c'est-à-dire c'est les noirs qui ont déjà connu Dieu par la première pratique, au moment où les noirs ont refusé, maintenant il est parti. Il est parti, il a envoyé la confusion. Et c'est ça qui se traduit par la colonisation. Lorsque vous refusez d'adorer Jésus, vous refusez d'accepter ce que le Créateur, votre Créateur vous a, alors que dans la première forme d'adoration, vous avez encore commis des erreurs. Il a dit tout à l'heure que l'homme ne doit jamais rassembler des métaux. Nous avons vu ça avec nos parents jusqu'alors où nous sommes. Où on dit que les métaux sur lesquels on verse de l'huile, que ça représente aussi Dieu. Vous voulez faire référence à ce qu'on appelle chez nous le goût. Le Dieu goût, par exemple. Dieu a défendu ça. Dieu a interdit ça à son peuple noir. Donc, ce que Dieu avait refusé, le peuple noir l'a fait. C'est pourquoi Jésus est venu. Sinon, la colonisation n'est pas venue avant Jésus. La colonisation est venue après Jésus. C'est parce que les siens ont refusé Jésus. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté même l'adoration que Jésus a menée. C'est pourquoi Dieu a été obligé d'aller susciter les blancs pour venir nous foutre dehors, pour venir nous coloniser, c'est-à-dire pour venir nous faire du mal. Aussi longtemps que l'Afrique ne va pas revenir en arrière sur la question de Jésus. Et mieux, ce qui se passe aujourd'hui, les Blancs ne nous ont plus permis, hein, ne nous ont plus donné le temps de rattraper ce que nous avons perdu. Parce que les Blancs savent que si on nous laissait le temps, nous allons encore réfléchir parce que le noir, c'est en lui que Dieu a mis tout. C'est en lui que Dieu a mis le génie même là. C'est en lui que Dieu a mis tout. Et les Blancs le savent. Les Blancs le savent très bien. Les Blancs savent que si nous laissons le temps et que nous continuons toujours de réfléchir, nous allons encore chercher le vrai Jésus. Ce Jésus-là qui est venu vers nous et que nous avons refusé, nous allons encore le chercher, nous allons le trouver. Maintenant, si nous arrivons à le trouver, là, nous deviendrons encore forts. Maintenant, pour nous empêcher rapidement, ils nous ont présenté leur Dieu Janus sous la forme de Jésus. Ils nous ont saisi le calendrier. Ils ont saisi le calendrier de Dieu qui est marqué par la présence de la lune. Selon le livre de Psaume 104, verset 19, moi, au moment où j'étais gosse, pour programmer, par exemple, un mois, mes parents disent quoi? Ils doivent voir d'abord la position de la lune. Et c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 14. On doit voir d'abord l'apparition de la lune. Parce que sans apparition de la lune, on ne peut pas parler de moi. Donc mes parents, devant moi, disaient, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en train de programmer le bonheur dans le nouveau moi. Et ce que nous disons aujourd'hui, on dit que la lune, là, que c'est le mois du noir. Alors que ce n'est pas le noir qui a créé la lune, c'est Dieu qui a créé la lune. Ça veut dire qu'au départ, le noir connaissait et le temps de Dieu, et l'autel de Dieu, connaissait aussi Dieu, comment adorer Dieu, même pour faire le sacrifice au temps de la loi. C'était les jours de sabbat, on faisait le sacrifice. Même jusqu'à là où nous sommes, les sacrifices que nous voyons sur les carrefours là, c'est les jours de sabbat que les Bokorons le font. Donc, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça veut dire que le noir connaît le temps de Dieu. Et si vous avez toujours ça, et normalement si Jésus vient, c'est-à-dire ce qui est surprenant,
touchant est que le noir rejetait Jésus. Rapidement, les blancs ont compris et ils nous ont présenté leur Dieu. Rapidement, ils nous ont arraché le temps de Dieu et nous ont présenté leur temps de janvier à décembre, qui est en l'honneur de leur Dieu Janus. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le noir se lève, dans ce temps de janvier à décembre, il ne se retrouve plus. Alors, prophète Justin Orlani, hein, est-ce que, puisque vous l'avez dit une fois sur ce plateau, que la première forme, en fait, c'est l'homme noir qui était plus au premier abord en contact avec Dieu, d'accord? Est-ce que ce n'est pas le blanc, la colonisation, qui est venue détourner le noir de cette relation qu'il avait avec son Dieu, en lui amenant donc son Dieu Janus dont vous parlez? Vous savez, c'est parce que le noir a refusé d'abord Jésus-Christ. Le noir l'a rejeté. La parole qui dit... Ou plutôt, c'est en venant évangéliser le peuple noir qu'on l'a détourné non, donc du vrai Dieu. Le blanc n'a même pas Dieu. Le blanc n'a pas Dieu. Comment il peut évangéliser Dieu? Le blanc n'a pas Dieu. Le blanc a su profiter de l'ignorance du noir. Parce que Jésus... Mais ce sont les blancs qui ont amené l'évangélisation, comme on le dit. Mais je dis l'évangélisation. L'évangélisation est venue par Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair et qui est venu nous parler. Et la parole de Dieu, j'ai dit tout à l'heure que les blancs connaissaient Dieu avant tout le monde. Les blancs connaissaient Dieu avant tout le monde. L'évangélisation est venue par Jésus-Christ. Ce n'est pas les blancs qui nous ont amené l'évangélisation. Les blancs ne nous ont pas amené la parole de Dieu. Les blancs nous ont amené leur Dieu Janus sous le couvert de la parole de Dieu. Les blancs nous ont amené leur Dieu Janus sous le couvert de la parole de Dieu. Parce que comment comprendre que eux qui nous ont amené la parole, si nous acceptons qu'ils nous ont amené la parole, qu'ils nous ont amené Jésus, alors Jésus est qui? Ils allaient nous dire clairement que Jésus est noir. Ils n'allaient pas nous dire que Jésus est blanc. Parce qu'aucun blanc n'a jamais dédicacé son enfant dans un temple, comme je viens de le dire, jamais. Aucun blanc n'a jamais, à la dédicace de son enfant, pratiqué la circoncision, jamais. Aucun blanc, à la dédicace de son enfant, n'a jamais tué des tourterelles et des pigeons, jamais. Alors cette pratique est où? C'est au Bénin, c'est en Afrique. C'est ici, nous pratiquons ça. Donc, si c'est le blanc qui nous a amené l'évangélisation, normalement, de façon honnête, il allait nous dire que Jésus est noir et c'est lui que vous devez accepter pour votre délivrance. Parce que aussi longtemps que le peuple noir ne va pas accepter Jésus comme son Dieu, il ne sera jamais délivré. Ce n'est plus la première forme d'adoration qui sert Dieu aujourd'hui. Dieu n'est plus dans ça. Et c'est ce qui est surprenant, paradoxal. Parce que le noir continue toujours de croire que Dieu serait toujours dans la première forme d'adoration, alors que la réforme a été déjà appliquée par Jésus-Christ. Je prends un autre exemple. Quand on dit le parcours de la lune, par exemple, le parcours de la lune, les mois que les blancs nous ont amenés n'ont jamais été réglementés par rapport au parcours de la lune, jamais. Quand vous prenez 1er janvier passé, par exemple, la lune n'est pas apparue. La lune est déjà au 7e jour. Je prends 31 décembre passé, où on disait que c'était la fin du mois. Et encore mieux, la fin de l'année. Mais la lune est encore là, dans le ciel. Alors que si on dit fin de mois pour le noir, la lune va disparaître. Quand on dit début de mois pour le noir, la lune va apparaître. Alors, entre le noir et le blanc, qui va amener Dieu, alors que Jésus est Dieu? Qui va amener Dieu? Qui va apprendre Dieu à qui? Alors, qu'est-ce que vous insinuez par là? Ça veut dire que le calendrier que nous suivons jusqu'aujourd'hui, je veux parler du calendrier romain, calendrier de janvier à décembre, que c'est un calendrier, c'est un faux calendrier. Tu as dit calendrier romain. Ce n'est pas universel, ce n'est pas divin. C'est un faux calendrier. C'est ça qui a fait que... Et le calendrier divin, c'est lequel? Le calendrier divin existe. C'est lequel? C'est le calendrier que nous avons édité, que nous partageons à tout le monde. Le calendrier divin, vous allez trouver tous les mois que Dieu lui-même a initiés dans ce calendrier. Vous allez trouver tous les noms même que Dieu a donné au jour dans ce calendrier. Et selon vous, selon le calendrier divin dont vous parlez, le premier jour de l'an, c'est quand? Le premier mois, c'est-à-dire l'ouverture de l'année de Dieu, c'est toujours entre mars et avril.
c'est-à-dire mi-mars, mi-avril. C'est en ce temps-là que l'année de Dieu commence. Comment vous, le savez-vous? Comment le savez-vous? Mais Dieu nous l'a révélé. C'est pourquoi vous allez constater que toujours en cette période-là, il y a les premières pluies qui commencent par tomber pour que les paysans mettent en terre les premières semis de l'année. Pourquoi en janvier passé, pourquoi les paysans n'ont pas semé? Parce qu'eux-mêmes savent, qu'ils ne sont pas au début de l'année, alors qu'on a dit janvier. Personne n'a semé. Vous-même, quand on dit 31 décembre, on était déjà avec la matin. 1er janvier, est-ce que la matin a disparu? Jamais. Alors que quand on dit changement de l'année, c'est-à-dire une année qui finit et qu'une autre année commence, il doit y avoir aussi changement de climat. Commencez pas à suivre. Lorsque nous allons venir maintenant à la fin de l'année de Dieu, vous allez voir que la sécheresse va partir et la saison pluvieuse va commencer. Donc, il n'y a pas changement de climat. Et on dit, il y a changement d'année. Ça ne marche pas. Mais puisque les Noirs même suivent ce calendrier-là, ça leur a été imposé. C'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. C'est pourquoi Dieu allait susciter les Blancs pour venir leur imposer ce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Eux-mêmes ne maîtrisent pas ça. C'est pourquoi jusqu'à l'heure aujourd'hui, on dit ils ont toujours tendance à faire référence à la position de la Lune, mais ne savent plus ce qu'il faut faire parce que l'autre a été imposé de force. Il continue toujours de pratiquer ce que Dieu a refusé. Et aussi longtemps que les Noirs seront toujours dans cette pratique, ils ne vont jamais avoir la liberté. La liberté nous a été donnée par Jésus-Christ. Et ce que le Noir doit faire, il doit savoir que Jésus est venu vers eux. Et leur Dieu, c'est Jésus-Christ. Le jour où le peuple africain va accepter ce que je suis en train de dire là, vous allez voir que le blanc sera sujet à nous. Vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui de rejeter ce calendrier dont vous parlez? C'est possible. C'est vraiment possible. Il est possible de rejeter ce calendrier parce que ce n'est pas le calendrier divin, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Normalement, avant qu'on ne parle de présent d'un mois, il doit y avoir apparition de la lune. Donc, ce qu'on nous a imposé, c'est du folklore, ce qui n'amène pas l'homme à un bon port. Cela ne peut jamais donner. Les grands patriarches de la Bible sont tous des Noirs. Job est un Noir. Si vous voulez, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Dans Job 30, à partir de versets 28 à 30, lui-même, dans sa supplication, a dit qu'il est noir. J'ai donné le verset, les gens n'ont qu'à lire. Il dit qu'il est noir. Et la pauvreté, c'est-à-dire la souffrance, l'a noirci davantage. Donc, le noir, c'est lui qui connaît Dieu. Dieu dit tous les patriarches. Abraham, c'est un noir. C'est un noir. Donc, les pratiques que le noir à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je parle, les pratiques d'adoration que le Noir connaît, c'est ce que Dieu avait initié. Alors, ça veut dire qu'au départ, c'est le Noir qui a connu Dieu, et c'est Dieu, il a connu quel peuple au préalable? Il a connu le peuple noir. Le blanc est venu par la suite. Donc, ce n'est pas au blanc de nous enseigner la parole. Je l'ai dit la fois passée sur ce plateau, que l'évangile est là pour tout le monde. La parole de Dieu est ouverte à tout le monde. Quand vous vous levez le matin et que vous vous voyez, vous avez déjà lu la Bible. Quand vous vous levez le matin et que vous voyez les cieux, vous avez déjà lu la Bible. Quand vous voyez le matin et que vous voyez les arbres, ainsi de suite, vous avez déjà lu la Bible. Donc, ce n'est pas le blanc qui nous a amené en réalité et mieux. Ils nous ont dit que Jésus est né le 25 décembre, alors que c'est faux. Si c'est eux là, si c'est eux qui nous ont amené la vérité, ils ne vont pas nous enliser davantage dans le mensonge. Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde sait que Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Le 25 décembre, c'était un culte donné au Dieu soleil. Eux-mêmes le savent. C'est-à-dire pour nous empêcher, pour nous barrer la voie, de ne plus jamais réfléchir pour se lever un jour jusqu'à aller connaître Dieu, jusqu'à aller connaître notre Dieu, notre Jésus. C'est pourquoi rapidement, très tôt, ils nous ont dévancés en nous imposant leur Dieu Janus pour dire que c'est Jésus. Prophète Justin Olanian, tout à l'heure, vous avez parlé du jour de sabbat. Oui. D'accord. Et qu'il faut suivre, selon vous, le calendrier de Dieu. Donc, il faut voir la position de la lune avant de pouvoir donc parler de jour de sabbat. Alors que dans le calendrier romain, dont vous avez fait cas tout à l'heure, qui n'est pas le calendrier de Dieu, selon vous, les dimanches, nous voyons les chrétiens aller quand même au culte, prier, chanter, louer Dieu. Est-ce à dire que
Dieu ne va pas exaucer leur prière parce que ce n'est pas son calendrier qui est suivi. Merci. Vous savez, je vais même partir du mot chrétien. Ça, c'est un pavé que je vais encore jeter dans la mare aujourd'hui. Vous savez qu'à aucun endroit dans la Bible, Jésus n'a donné le nom chrétien à ceux qui vont l'adorer. Je veux un seul pasteur pour venir ici me confirmer par un verset biblique que Jésus a appelé ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui vont croire en lui, chrétiens, jamais. Le nom chrétien est un nom donné par les païens pour se moquer de ceux qui croyaient en Jésus au travers des apôtres. C'est un nom de moquerie. Jésus nous appelle des saints. Dieu n'a jamais appelé ses enfants chrétiens. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Jésus n'a jamais dit qu'au moment où il serait en nous, qu'il serait petit. Mieux, il a dit qu'au moment où il serait en nous, nous allons encore faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait. C'est les païens qui se moquaient de ceux qui croyaient en la parole de Jésus-Christ au temps des apôtres. Et ils disaient quoi? Nous avons tué votre grand Christ. Vous aussi, là, petit Christ que vous êtes, nous allons aussi vous tuer un à un. Juste à un moment donné, les gens étaient fâchés et Paul leur a dit, ne vous énervez pas de ce qu'on vous appelle chrétien. Si, même si c'est des moqueries, croyez seulement en Jésus-Christ. C'est-à-dire Paul leur, Pierre les a invités à ne plus se fâcher parce qu'on se moquait d'eux. Paul est en train d'évangéliser le roi Agrippa. Et le roi Agrippa lui a dit, Paul, tu veux me convaincre à devenir chrétien? Parce que chrétien, appelé chrétien, c'est un nom de moquerie. Tu veux me convaincre à devenir chrétien? Mais Paul répliqua en disant, je te demande de devenir comme moi-même. Si Paul confirmait que le nom chrétien est donné aux croyants, là, il aurait dit, oui, je veux que tu deviennes chrétien. Donc, c'est la Rome qui a amené le christianisme. Le christianisme et le romanisme, là, c'est ça qui est venu de la Rome. C'est ça que la Rome nous a imposé. La Rome ne nous a pas amené Jésus. Et Jésus n'a pas amené le christianisme. Jésus est venu révéler qui il est à son peuple noir. Et le nom que Jésus donne à ceux qui vont croire en lui, c'est le nom saint, le statut saint. Dans le livre de Apocalypse 22, à partir de versets 1 à 5, il a dit qu'il a écrit son propre nom sur nos fronts. Ceux qui nous suivent là n'ont qu'à lire les versets que je donne. J'ai dit bien Apocalypse 22, versets 1 à 5 là. Il a dit qu'il a écrit son nom sur nos fronts. Il nous a donné son propre statut. Parce qu'au moment où Dieu avait créé l'homme au départ, en le déclarant très bon veut dire très saint. Donc, si Jésus lui-même nous a donné son propre nom et qu'il nous demande de venir à son adoration, ça veut dire que nous portons le son nom Jésus et c'est différent de chrétien. Alors, prophète, répondez à ma préoccupation. Je demandais pourquoi, c'est vrai, vous avez dit qu'ils ne sont pas chrétiens, que le nom chrétien a été donné par les Romains. Mais il y a beaucoup qui vont à l'église quand même les dimanches pour aller célébrer, aller louer Dieu. Donc, ils ne sont pas exaucés. Et ils ne seront jamais exaucés. Eux-mêmes sont conscients qu'ils ne sont pas exaucés. C'est pourquoi je dis, ça veut dire que la réforme est capitale. Tout ce corps-là doit revenir en arrière. Les prières faites dans les églises les dimanches ne sont pas exaucées. Sinon, comment comprendre que dans ces mêmes églises, le sorcier arrive à frapper, le sorcier arrive à tuer, le sorcier arrive à se mettre à l'aise. Dans quelle église aujourd'hui? Dans quelle église aujourd'hui où le sorcier ne frappe pas? Le sorcier frappe. Alors, sur quel jour on devrait célébrer Dieu selon vous? Normalement, c'est le sabbat. Dieu lui-même a dit, quand vous lisez Hébreux 4, à partir de versets 8 à 10, la parole est claire que Dieu a donné le jour de repos à son peuple. Et si Josué leur eût donné un jour, le jour de repos, on n'aurait pas parlé après d'un autre jour. Il y a un jour de repos, de sabbat, donné au peuple de Dieu. Celui qui entre dans ce repos de ses œuvres, comme Dieu lui-même s'est reposé de ses œuvres. Donc, Dieu... C'est pourquoi, depuis la création, après avoir créé l'homme, il lui a donné le repos. Le repos, le septième jour qui est le jour. Donc, le jour d'adoration de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce temple
en 3 jours, je les relèverai. Le temple dans lequel on faisait des sacrifices sur les autels de terre. Il dit, détruisez-moi ce temple. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un bâtiment qui est appelé le temple de Dieu. Mais c'est l'homme qui croit en Jésus, que Jésus est Dieu. C'est en lui que Jésus va faire le retour du Saint-Esprit qui a été retiré de l'homme dans le livre de Genèse 6, verset 3. Parce que au moment où le péché est venu, Dieu a retiré son esprit de l'homme et l'homme est devenu vide depuis ce temps-là. Donc aussi longtemps que l'esprit de Dieu ne va pas revenir en l'homme, il ne sera plus jamais appelé homme-là comme Dieu l'avait créé au départ. Donc aujourd'hui, lorsque vous acceptez Jésus, il va vous dire que son jour d'adoration n'est pas dimanche. Dimanche n'a jamais été. Mais comment reconnaître aujourd'hui le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est pourquoi nous avons édité le calendrier et nous l'offrons gratuitement. Nous donnons le calendrier gratuitement à tous ceux qui viennent nous voir pour leur permettre d'avoir une bonne orientation de la parole de Dieu dans leur vie. Parce que sans connaître le temps de Dieu, vous ne pouvez jamais être à son image. Comment vous serez être à l'image de quelqu'un sans au préalable chercher à comprendre comment lui-même vit, il vit? Donc, Dieu a fait tout par le temps. C'est la lune qui vous oriente, qui vous permet de savoir le jour du sabbat. Ou bien plutôt, la connaissance de Dieu que nous avons, c'est ça qui oriente la lune. Parce que quoi? Lorsque la lune apparaît, c'est Dieu qui a créé la lune, nous sommes tous d'accord. Mm-hmm. Même la connaissance du temps, Dieu a laissé à la connaissance de l'homme. Dieu n'a pas caché comment compter le temps à l'homme. C'est parce que les Romains, c'est-à-dire, ils nous ont envahis, les Blancs nous ont envahis, et nous ont retiré ce que le temps que Dieu nous avait enseigné. Sinon, toi et moi, nous ne serons pas en train de dire ça là. On aurait dû nous l'enseigner depuis que nous sommes à l'école. C'est parce qu'on ne comprend pas, on ne l'a pas enseigné. C'est pourquoi aujourd'hui, ça nous revient très difficile. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas cette difficulté de compter janvier? On peut rester ici maintenant et savoir jusqu'à 2030, en quel jour janvier va tomber, 1er janvier va tomber. On peut rester ici maintenant et le dire. Ça veut dire que ça là, ça nous a été enseigné. Mais ce qui est pour Dieu, on nous l'a retiré depuis des milliers d'années. C'est pourquoi ça nous revient très difficile maintenant de savoir c'est où, c'est quand le sabbat, ainsi de suite. Quand la lune apparaît et que vous comptez 7 jours, vous serez au sabbat. Et c'est à ce sabbat-là que cette année, on dit 1er janvier. La lune était déjà à la moitié, au premier quartier, qui est le premier sabbat du 11e mois, qui est le mois de Shébat. Nous sommes dans le mois de Shébat maintenant, le 11e mois. Dieu n'est pas encore allé à la fin de son année. Alors, quand vous suivez le plan de l'ennemi de cette manière, il aura raison de vous. Tout ce que vous allez faire, ça lui appartient. Parce que l'ennemi est déjà dans son premier mois et il évolue. Prophète Orlania, est-ce que vous faites la célébration, vous faites le culte chez vous les dimanches? Bon, chez nous, pratiquement, on ne fait pas de culte pratiquement comme ou de les façon autres spéciale le font. Les dimanches, non. Quand dimanche ne tombe pas sur l'un de nos jours de célébration, nous fermons les églises. Nous fermons les églises et tout le monde reste à la maison. Parce que selon nous, ce n'est pas ce que Dieu avait établi pour notre bonheur. Ce que Dieu a établi pour le bonheur de l'homme, c'est son programme à lui. Et nous sommes dans ce programme. Et comptant sur lui, nous sommes sûrs que personne ne peut nous attaquer, nous gagner. C'est pourquoi même... Ça veut dire que vous êtes en déphasage total avec ce que les autres font, vos pères le font. C'est pourquoi l'Africain n'a qu'à revenir en arrière. Parce que si nous ne revenons pas en arrière, nous ne pourrons pas. Nous sommes totalement en déphasage. Parce qu'on ne peut pas suivre ce qu'on nous a imposé. C'est pas notre créateur, c'est lui que nous devons suivre. Parce qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alors, si Dieu est l'alpha et l'oméga, et que c'est lui que nous devons suivre, mais pourquoi le quitter et aller suivre l'ennemi dans son programme? Parce que quand vous suivez l'ennemi dans son programme, vous devenez son oméga à lui. Et c'est lui qui vous donne désormais les ordres. Satan ne va pas nous donner des ordres. Comment, dans le même temps, combattre quelqu'un qui vous donne encore des ordres? Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui nous donne des ordres. Et si Dieu nous donne des ordres, je sais que Dieu ne peut plus nous combattre. Et nous ne pouvons plus aussi combattre contre Dieu. C'est pourquoi nous, comme Dieu ne nous a pas enseigné dimanche dans la Bible, parce qu'aucun verset n'a parlé de dimanche, lundi, tout ceci dans la Bible, nous suivons le programme qui nous dit. Mais comment vos pères, pasteurs, appréhendaient tout ce que vous vous dites là? Le fait que vous n'allez pas, par exemple, au culte, si ça ne tombait pas sur un dimanche, que vous n'allez pas au culte chaque dimanche comme eux, comment ils trouvent cela? Est-ce qu'ils ne vous diabolisent pas? Bon, certains
nous diabolise. Mais à un moment donné, rapidement, la vérité les rattrape. Parce que lorsque Dieu vous fait grâce et vous amène à la vérité, et que vous cherchez à vous rendre sage plus que la vérité, parce que personne ne peut être plus sage que la vérité. Lorsque vous cherchez à vous rendre sage plus que la vérité, rapidement, elle vous rattrape. Donc, il y a beaucoup qui sont rattrapés de cette manière et qui sont revenus encore nous présenter des excuses en nous demandant le calendrier. Donc, mais il y a d'autres qui, rapidement, quand ils écoutent ce que nous prêchons, demandent même à venir à nos séances de séminaire, ne serait-ce que pour se former. Il y a pas mal de ces pasteurs qui aujourd'hui se forment chez nous, parce que quand vous formez un seul pasteur, vous avez formé déjà des milliers de fidèles. Donc nous avons compris que aujourd'hui, mais je vous donne encore quelques années, je crois que tout le monde va revenir en arrière. Parce que sans revenir en arrière, on ne peut pas. Et ils ont fait déjà l'expérience pendant 2022 ans avec ce que je suis en train de dire là. Et eux aussi savent clairement que ça n'a rien donné. Ça a donné quoi? Ça a donné la mort, la pauvreté, la maladie dans les églises. C'est ce que la foi en Janus a donné. Mais lorsqu'ils reviennent en arrière, eux-mêmes en témoignent. Eux-mêmes sont conscients de ce que le changement est automatique. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de... En fait, ceux qui sont dans une autre dynamique que la vôtre, ceux qui exécutent le calendrier romain, d'accord, est-ce qu'ils sont en train de perdre les âmes de leurs fidèles? Mais ils sont en train de perdre fidèles, beaucoup même, parce qu'aujourd'hui, faites cette analyse-là. Le dimanche prochain, il faut sillonner un peu Cotonou ou sillonner un peu les coins qui bordent Cotonou. Vous allez comprendre que tout doucement, les églises ont commencé par se vider. Parce que les fidèles, comme les pasteurs ne veulent pas comprendre, les fidèles ont compris. Et c'est-à-dire, ayant fait l'expérience, ils ont compris que la vérité, vaut mieux accepter la vérité que de toujours végéter dans le mensonge pour se créer des problèmes inutiles. Ça veut dire que ce qu'on nous a enseigné jusque-là dans les églises, c'est du faux. C'est du faux. On nous a enseigné du faux. Sinon, comment vous allez combattre contre quelqu'un dans son système? Je donne un autre verset. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4 dit: l'ennemi est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bon, si au travers de son temps, il arrive à se donner cette position de Dieu, parce que quand on dit Dieu, le fidèle se prosterne devant Dieu. Et lorsque vous prosternez devant quelqu'un, celui-là a le pouvoir de vie et de mort sur vous. Celui-là a le pouvoir de vie et de mort sur vous. Lorsque vous prosternez devant un Dieu, ce Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur vous. Alors si c'est le vrai Dieu, il vous donne la vie. Mais si ce n'est pas le vrai Dieu, que c'est le faux Dieu, lui n'a pas la vie, il a la mort. Il ne peut que vous donner la mort. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans les églises depuis 2022 ans jusqu'à là où nous sommes là, a donné quoi? N'a pas amené l'homme à découvrir qui est Dieu. Mais les gens ont satisfaction, ils ont de prier, ils vont à l'église, ils prient leur pasteur, leur... Mais quand vous descendez pour voir ce qui est en dessous, c'est pas ça. Parce que la parole dit, lorsque vous allez ailleurs, lorsque vous quittez Dieu, vous allez ailleurs, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez ni le Père, ni le Fils, vous n'avez pas Dieu. Le fondement de Jésus n'est pas le fondement de janvier à décembre. Le fondement de Jésus, c'est ça que nous avons vu dans la Bible. C'est ça qui est de Nissan à Adar. Le temps qu'on observe sur ce fondement, Jésus, c'est ça qui est Nissan à Adar. On ne peut pas retrouver Jésus dans janvier à décembre pour lui donner adoration les dimanches. Non. Bon, la preuve, je dis maintenant que nous sommes dans le 11e mois, plus précisément le mois de Shabbat. Bon, celui qui est déjà en janvier, qui est dans le premier mois, dans son premier mois de l'année, est-ce que celui-là dit la même chose avec nous? Je crois que non. Celui-là ne dit pas la même chose avec nous. Nous sommes dans le 11e mois, lui est dans le premier mois. Quand est-ce qu'on aura des points de commun? Je ne crois pas. Parce que nous sommes maintenant dans le 11e mois. Le mois qui vient maintenant sera encore 12e mois.
Mieux, dans cette année, c'est une année bissextile pour Dieu. Nous aurons encore le 13e mois qu'on appelle Véadar, avant de rentrer dans le premier mois de Dieu qu'on appelle le mois de Nissan. Au moment où nous serons en Nissan, lui sera déjà en avril. Bon, maintenant, Dieu a dit de célébrer la Pâque dans le premier mois. Bon, lui, maintenant, il a laissé son premier mois. Parce qu'il a accepté son premier mois. Il faut observer ça là. Hein. On va voir si le 14 janvier prochain, tous les pasteurs là, vont célébrer la Pâque, comme la Bible l'a dit dans le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5. On va voir si le 14 janvier, ces mêmes pasteurs qui ont ouvert leurs églises le 31 décembre là, pour dire gloire à Dieu, là, on va voir s'ils vont célébrer la Pâque le 14 janvier prochain. Et le jour de célébration de la Pâque dans les autres églises, ça coïncide avec vous le jour Non, nous célébrons toujours la Pâque avant eux. Parce que nous, notre Pâque ne tombe pas toujours sur dimanche. La Pâque que la Rome programme, c'est ça que les églises pratiquent. Parce que pourquoi les églises sont obligées de pratiquer cette Pâque? C'est parce que les églises ne comprennent plus le temps de Dieu. Ils n'ont plus le temps de Dieu. C'est pourquoi quand la Rome leur programme la Pâque mondaine, ils sont obligés de l'accepter. Parce que s'ils ne l'acceptent pas, où est alors leur Pâque? Ils ne comprennent pas. Nous sommes prophète Justin Olania, nous sommes pratiquement au terme de cette émission puisque l'heure qui nous est impartie est allée donc à sa fin. Je vais vous permettre en quelques secondes de dire votre mot de fin aux téléspectateurs. D'accord, merci monsieur le journaliste. Très rapidement. Je dirais simplement à tous ceux qui nous suivent de comprendre que le système satanique mondial imposé au monde entier depuis 2022 ans, je veux parler du système de janvier à décembre, ne peut jamais amener l'homme à découvrir Dieu. Et toi, Africain qui m'écoutes, tu dois savoir que Jésus est ton Dieu, celui que tu dois adorer pour que ta restauration soit effective. Soyez bénis. Merci à vous, pasteur, prophète Justin Olanian. C'est la fin de cette édition, de cette émission Au-delà du réel, une émission spirituelle. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au-delà du réel. Au revoir et que les bénédictions soient.